Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Captain 34 et je vais très bien moi et on se retrouve pour le 24e épisode de cette carrière manager avec le Borussia Dortmund et c'est pas la saison 1 maintenant, c'est la saison 2 les amis, on reprend la saison les amis, j'ai fait les entraînements durant tout l'été, j'ai entraîné toute l'équipe et il y a des joueurs qui ont bien progressé dont mon gardien Dragoski qui a pris un plus 2 en note, donc ça fait plaisir ça les amis. Donc ici on a encore un entraînement à faire, les entraînements je vais pas vous les montrer, je vais les faire de mon côté et on a aussi 4 messages tout simplement à aller voir et il y aura un transfert que je me serais bien passé, c'est le transfert de Gundogan, il refuse de prolonger. Donc j'espère que je vais pas oublier de vous le montrer. J'ai pris des screens. Donc il refuse de re-signer. J'allais essayer d'aller vous le montrer. Peut-être dans les infos, peut-être qu'il fait marquer dans les infos. Faut voir ça, info club. Non, il peut pas. Si voilà. Donc ben, voilà, Gundogan devrait signer. Parce que il y a cette info là, parce que tout simplement. Il refuse de re-signer. Donc voilà. Je pourrais pas le. En fait, il est en fin de contrat là dans un an. Soit je le vends maintenant, soit je le garde. Et je perdrai l'argent. Donc non. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le vendre. Et je prends un autre joueur. Donc j'ai été élu manager de l'année lors de la saison précédente. Donc ça, ça fait plaisir. Ensuite les amis comme je vous l'avais promis on va recruter une grosse star cette saison. J'ai été envoyé quelques recruteurs par-ci par-là et on verra bien qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre. Donc ici info importante sur le marché de transfert, bon ça on s'en fout. Objectif de la coupe nationale, remporter la coupe. Ok, on va déjà essayer de passer le 8ème de finale, hein, ce serait déjà bien, parce qu'on l'a même pas passé lors de la précédente saison. Ensuite, budget de saison, 56 millions et 275 000 en budget salaire, ça va, c'est un bon budget. Objectif championnat, bien évidemment, être sacré champion. Super saison ici, on nous a dit et tout, tout le tralala. Bon, ils ont pas été contents de la performance en coupe. Ça, c'est tout à fait normal. Ah ben, j'ai pas besoin de vous montrer, les amis, le fait que Gundogan a refusé de signer. Il est ici. Donc voilà, ce n'est pas la meilleure manière de débuter la journée, mais nous avons reçu une réponse de l'agent de Ilkay Gundogan, à qui nous avons proposé récemment une prolongation de contrat. Il nous a demandé de ne pas importuner son joueur avec une nouvelle offre, car il n'est pas disposé à signer, quelles qu'en soient les clauses. Cela veut nécessairement dire qu'il cherche à changer de club. Aussi, nous devons nous préparer à cette éventualité. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même décevant. Donc, je l'ai mis sur la liste des transferts, les amis. Tout simplement. Parce que j'ai pas envie d'être perdant dans l'histoire. Donc, je vais vous montrer tout simplement tous les joueurs que j'ai mis sur la liste des transferts. Et tous les joueurs qui sont sur la liste de prêt. Donc, j'ai mis Bandoski sur la liste de transfert parce que je n'ai pas besoin de lui pour le moment. Et en voyant en prêt, voilà, ça ne va pas me servir à grand chose. Et si je peux en tirer de l'argent pour faire des transferts, ce sera bien. Immobilier qui est revenu de prêt, je le mets aussi sur la liste de transfert. Je n'ai pas besoin de lui. Blachikowski, pareil, je n'ai pas besoin de lui. Donc, il est revenu de prêt. Je le mets sur la liste de transfert. Et bien évidemment, Gundogan, vu qu'il refuse de signer et qu'il sera en fin de contrat dans les 12 mois, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, il s'estime sous-payé. Ok. Ouais, pour ça, je lui ai fait une proposition de 210 000 de salaire. Il a refusé. Voilà, je peux pas aller non plus lui donner 1 million de salaire, quoi. Ce serait abusé.
Donc après le reste, les amis, il y a Narek qui peut partir en prêt et Mounir qui peut partir en prêt. Le reste, Willems, Tillemans, Aboubakar et tout le tralala. Ozakub, je vais peut-être le vendre, je ne sais pas. On verra bien s'il va me faire chier encore pour le vendre. On verra bien tout ça. Le reste, ça reste dans mon équipe, dans mon club. Ils vont pas partir. Peut-être Kagawa. Franchement, les amis, peut-être que Shinji pourrait partir. Je vous le dis comme ça directement. Peut-être qu'il pourrait partir. Je ne sais pas encore. Dragoski, lui, comme je vous dis, il a pris un plus 2. Ça fait plaisir. Donc le reste, ça devrait pas bouger. Peut-être Burki pourrait partir. Burki pourrait partir. Je pourrais peut-être renvoyer Gomez en prêt s'il me reste de l'argent pour acheter un défenseur gauche. Et donc voilà, le reste c'est... Ah, j'ai plus de batterie dans ma manette. Génial. Bon ben les amis, je reviens tout de suite. Voilà les amis, donc ma manette est de nouveau prête. C'est bon. Donc Sar, lui, il est en prêt. De Dunker est aussi en prêt. Parduo, il est aussi en prêt. Leitner en prêt. Weigel en prêt aussi. Et Paslak également en prêt. Donc voilà. En espérant recevoir des offres pour ces 4 joueurs, je veux absolument les vendre. Donc pour retirer de l'argent et pour faire un énorme transfert. Donc en espérant qu'on va peut-être prêter Naré. Mounir, s'il reste, c'est pas tellement grave. Mais j'aimerais vraiment prêter Naré parce que je vais pas l'utiliser tout simplement. Donc les amis, on va avancer. Ah non, je vais aller faire les entraînements. Et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà les amis, hein, c'est la fin des entraînements. J'ai quand même fait 4 A et un C sur El Toro. El Toro c'est chaud, hein, mais bon, je pense qu'avec le temps je vais m'habituer. Donc les amis, je dois juste faire un truc là et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai fini mon truc. Donc là il va falloir que je fasse quelques offres, nouveau transfert. J'ai déjà mis dans ma liste de transfert certains joueurs que je voudrais. Enfin, j'ai mis toutes les grandes stars qui étaient possibles que je prenne. Donc, Wayne Rooney, pourquoi pas. Dybala, après le reste, ça c'est des joueurs que j'avais mis lors de la précédente saison, que je voulais peut-être. Moi, Simon, Gabriel, Gabriel Jesus, Mbolo, pourquoi pas. Mbolo en buteur, ce serait bien. Thomas Müller, De Bruyne, Ozil, Coutinho, Götze, Isco, Rames, Odegaard, Meyer, Sané, Brandt, Yaya, Touré, bien évidemment, Cesc Fabregas, Luka Modric, Thiago, Iniesta, Verratti, Kroos, Pogba, Gaïs. Ouais, Gaïs, non, c'était avant et j'ai pas besoin de lui. Donc on va le retirer. Ruben Neves, pourquoi pas. David Alaba aussi, qui est intéressant. Lui, c'était l'année passée, enfin pour la saison passée aussi. Et voilà. Donc il y a tous ces joueurs là. Je vais m'informer sur tous ces joueurs et on va voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Donc voilà, les amis, on nous invite à faire la compétition d'avant-saison. Je vais bien évidemment accepter l'invitation. Donc on va choisir quelle compétition on va faire. Je pense qu'on va prendre la compétition là où on a le plus d'argent. Et c'est la Coupe d'Élite d'Asie. Donc on va jouer cette compétition là. Il y aura dans cette compétition deux clubs d'Asie. Il y aura Arsenal, Atlético Madrid, l'AS Roma, Man U et tout simplement l'Inter de Milan. Ouais, c'est quand même un bon groupe. Donc c'est le plus cher, donc on va prendre celui-là. Donc on va prendre la Coupe d'Élite d'Asie. Voilà les amis, donc on va aller voir maintenant les messages. Hein, j'ai reçu des messages. Donc, alors, votre intérêt pour Martin Odegaard, 2,5 millions seulement pour Odegaard? C'est vrai? C'est quand même peu, hein, pour Odegaard. Bon ben non, on va pas prendre Odegaard. Je viens de voir ses stats, les amis. Il a pas tellement progressé et j'ai besoin de joueurs qui peuvent jouer tout de suite, donc on va pas prendre Odegaard. Donc voilà, ça c'est fait ainsi. Donc en réponse à votre récente demande concernant Maximilian Meyer, nous tenons à vous informer que nous n'avons aucun intérêt. Ok. Donc ils veulent pas le vendre, donc on va d'abord faire une offre, hein, on va faire une petite offre normale. Il vaut 16 millions, on va faire une offre à 16 millions.
au début, on va faire une offre à 16 millions. On verra bien ce qu'ils vont me dire. Voilà. Ensuite, on va avancer, les amis. Et on va voir maintenant Yaya Touré. 31 millions, il demande. Il demande 31 millions. On va voir si on peut négocier en dessous. On va essayer 22 millions pour voir. Luka Modric, ils ne veulent pas le vendre. Ok, donc on va essayer de faire une offre, hein, on verra bien. Alors, on va essayer une offre de 40 millions, hein, c'est son prix. On va essayer une offre à 40 millions pour voir. Alors, Thiago du FC Bayern, ils ne veulent pas vendre non plus. On va faire une offre et on verra bien ce qu'ils vont nous dire. 29 millions. Ok, bon, on fait une offre à 29 millions, c'est son prix, donc on verra bien. Marco Verratti. Donc, c'est pas un joueur que j'utilise beaucoup dans mes carrières. Ce serait la première fois si je le prendrais. Si je le prends, ce serait la première fois. Mais en tout cas, voilà. C'est pas un joueur qui me donne spécialement envie. Et en plus, pour 70 millions, non. Non, les gars. 70 millions, c'est trop. Marco Reus, 7 jours, blessé. Élogation au mollet, ok. Coupe de l'Asie, ok. Ouais, ça je connais, donc on s'en fout. Ah, le retour de prêt, donc ils sont retour de prêt eux aussi. Donc ok, je vais devoir les mettre sur la liste des transferts alors. Donc lui, il est retour de prêt. Lui aussi, mise à jour France, on s'en fout. Votre intérêt pour Thomas Müller. Il nous a récemment rejoint. Ah bon? Je vais quand même faire une offre, hein, parce que ça me paraît quand même bizarre. Bon, on va donner 47 millions. Hop. 47 millions, c'est sa valeur. En espérant qu'il y aura les transferts qui vont se faire, hein, histoire que je puisse avoir beaucoup plus au niveau du budget. Arsenal, donc il demande 51 millions de base pour l'avoir. Donc on va donner, on va déposer les 51 millions sur la table et on verra bien ce qu'ils vont me dire. Isco, pareil, ils ne veulent rien savoir. On va donner 50 millions, c'est ce qu'il demande. Bon, je sais qu'en haut à droite, il dit 60 millions, mais je vais faire le radin. Et je vais d'abord donner ce qu'il demande là, ce qui est sa valeur. Et après, s'il faut, j'augmenterai. Mais d'abord, je fais une petite proposition pour voir ce qu'ils veulent. Rames, pareil, ils ne veulent pas en parler. 80 millions pour Rames. J'ai pas les 80 millions, donc en attendant, je vais mettre 60 millions. On va voir s'ils vont accepter. Ils vont refuser, c'est sûr, certains. Mais histoire de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Le Roi Sané, c'était plus pour une perspective d'avenir. Donc non, on va pas le prendre. Brandt, pour le moment, non. Rooney, pourquoi pas, hein, notre ami Rooney. Donc lui, on pourra pas non plus donner 82 millions. Donc on va donner, on va dire, 50 millions. Pour voir ce qu'ils vont nous dire. Paulo Dybala, les amis, pour 51 millions. Alors là, c'est intéressant. Là, je pense mettre un de mes buteurs en échange. Qu'est-ce que je pourrais échanger en buteur? Je peux essayer de mettre Ciro Immobile dans l'offre et de mettre de l'argent. On va essayer 20 millions plus Ciro Immobile. C'est ma Ciro, hein, qui s'appelle, hein. Ouais, Ciro Immobile, donc voilà. On va essayer ça. Ce serait bien qu'ils acceptent. Ce serait vraiment un vol total. En tout cas, on va essayer de faire ça. Votre intérêt pour Mbolo, 15 500 000. Franchement, ça me donne envie. Ça me donne envie de prendre Mbolo. Après, faut voir. Les amis, si je prends Mbolo, je dois faire partir Aboubakar. Ça, c'est une évidence. Parce qu'ils ont le même profil. Ils ont à peu près le même profil. Bon, Mbolo est un peu moins physique que Aboubakar. Mais voilà, Mbolo est plus jeune, il a un énorme potentiel. Il a aussi les 4 étoiles, il est aussi physique, il est grand. Donc ouais, je pense que je vais faire partir Aboubakar et je vais peut-être essayer de recruter Mbolo. On va essayer de mettre un échange de joueurs, Mbolo contre Ciro Immobile, et on verra bien ce qu'ils vont nous dire. Alors, nous avons reçu des offres de transfert. Bon, Shinji Kagawa, ça je m'en doutais bien qu'il allait peut-être avoir une offre pour lui. Donc, ils ont fait une offre de 32 millions. C'est quand même beaucoup, hein. Sa valeur est de 24 millions. Il a quand même 27 ans, les amis. Il peut monter jusqu'à 42 800 000. Donc, on va augmenter.
hop, 42 800 000. On fait une contre-proposition. S'ils acceptent, ben, je les laisserai partir. Une offre de 53 millions pour notre ami Mats Hummels, notre capitaine. Mais ça, vous rêvez, il ne partira pas. Et une autre offre de la Juventus de 53 500 000 que je vais également refuser car c'est mon capitaine et mon capitaine restera à la maison. Alors, en réponse à la demande Cesc Fabregas, il refuse le transfert. Donc, on va voir, on va leur proposer 41 500 000 et on verra bien ce qu'ils vont nous dire. Andrés Iniesta, ils ne veulent pas non plus le vendre, donc on va essayer de faire une offre. Andrés Iniesta, si je pourrais l'avoir, ce serait énorme, franchement. C'est un joueur que j'apprécie, donc ce serait bien de l'avoir. On verra bien. 45 500 000, c'est sa valeur, on verra bien ce qu'ils vont nous dire. Toni Kroos, c'est pareil, hein. C'est un joueur que j'apprécie. Par contre, je pense que le prix va être assez élevé. Ruben Neves, seulement pour 14 millions. On verra bien. Parce que j'ai beaucoup de joueurs quand même dans le milieu de terrain. Et si je prends un joueur, c'est vraiment une grosse star. Et Ruben Neves, ce serait plutôt un joueur d'avenir. Donc, je ne sais pas, on verra. David Alaba, il nous a récemment rejoint. Il vous a rejoint l'année passée. Il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. Donc, on va essayer de faire une offre à 45 millions. Si on peut l'avoir, il pourra jouer soit défenseur gauche, soit dans le milieu de terrain. Donc, pourquoi pas essayer de l'avoir, hein, le petit Alaba. Et les deux joueurs-là, c'est des joueurs d'avenir, donc on va pas faire d'offre pour le moment. Donc on a reçu des messages, les amis. On va aller les lire. Donc, mise à jour Allemagne, on s'en fout. Proposition de transfert pour Ilkay Gundogan. Qui c'est qui me fait une proposition? C'est Valence. Valence, 28 millions. Il nous propose 28 millions. J'ai envie de faire une contre-proposition à 40. Mais j'ai peur qu'ils acceptent pas. Ouais. C'est Valence, ils ont quand même pas mal d'argent, donc on va essayer de faire une contre-proposition à 40 millions. Une offre a été faite de 11 millions du FC de Wolfsburg pour Mbolo. Alors là, on va s'aligner directement dessus, sans se poser de questions. On fera tout simplement. On vendra tout simplement à Aboubakar. Alors. Parce que Mbolo, j'ai pas envie qu'il aille dans un club ennemi. Surtout Wolfsburg, hein, qui joue le titre. Donc Mbolo. Tu es où Mbolo? Mon petit Mbolo, tu es là. Ah, je peux pas faire l'offre? Ah si, mais il faut que j'aille modifier l'offre. Donc j'arrive. On va même mettre 12 millions, les amis, plus pas Juho, en espérant qu'ils vont accepter. Votre intérêt pour Pogba? Bon là, je sens arriver la connerie des 200 millions là d'euros. Ah non, même pas seulement. Ah ben c'est bien ça, tant mieux. On va leur proposer 30 millions plus Gundogan. Pierre-Emerick Aubameyang, pour le prochain match. J'ai vu la probable composition d'équipe pour le prochain match et je figure parmi les remplaçants. Je joue bien en ce moment, alors je voudrais vraiment profiter de cette dynamique. On verra bien si tu vas jouer, on verra bien. Bon les amis, on va arrêter la vidéo ici. On n'aura pas beaucoup avancé, on a avancé que 6 jours. Mais la vidéo, je pense, sera quand même assez longue. Donc il y aura quand même pas mal de vidéos pour jusqu'à la fin de ce mercato tout simplement. Parce que tant que je n'ai pas les joueurs bien en tête que je veux prendre, ben je sais pas ce que je veux. Dans quelle direction je vais me lancer, si je vais prendre un joueur style Iniesta de plus de 30 ans, ou si je vais prendre un Isco qui a une vingtaine d'années, donc je sais pas encore, on verra bien. Faudra voir aussi les demandes, ce que demandent les clubs, quoi. S'ils me demandent 100 millions et tout, voilà, je pourrais pas accepter. Leno est parti, apparemment. Leno est parti de Berne, Leverkusen, pour 42 500 000 à Paris. Ok, bon, ben voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'a pas été très longue. C'est pas, il n'y a pas de match et tout, donc c'est le mercato, quoi. Hein, c'est le mercato. Et il y a beaucoup de paperasse à faire, donc dès qu'on aura fini le mercato, il y aura des matchs et tout. Ici, on a un match face à Arsenal, mais je ne sais pas encore si je vais les faire, les matchs de Coupe d'élite d'Asie. On verra bien. Donc les amis, c'était Kepta34. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, ciao!